Il y a deux mesures par précision. Il y a une mesure de grand-page et de pourcentage. D'accord? Il y a deux méthodes par la principale. On peut grouper, C'est-à-dire une méthode de détermination. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Celles qui sont capables d'une vie très grande, celles qui sont capables, dans la première fois, de mesurer des actes très grandes, de mesurer des actes très grandes. Attention, quand je dis, regarde, le fond du lac très grand, ça veut dire quoi? Il faut l'âge de la géologie. À savoir, un objet qui dépasse 1 million d'années, 2 millions, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, d'accord? Pas très grand. Donc on appelle l'âge de la géologie. Un objet qui dépasse 100 000 ans. D'accord? Un objet qui a dépassé 100 000 ans, on peut savoir son âge par la méthode de la radioactivité. D'accord? Il y a, on va poser deux méthodes. Il y a des méthodes de prendre des mesures des dates très bonnes. Il y a des méthodes de mesurer des dates très précises. Donc ça veut dire pas un longueur, non. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas 6 000 ans, 6 000, 7 000 ans. Comme un homme, ancien, mort, ça fait 7 000 ans. D'accord? On utilise deuxième méthode. On dit poussérage. D'accord? Mais si c'est ça. Moi, ça fait 100 000 années, on a plus la méthode des grands d'accord. Il y a deux fois, d'accord. Et votre homme là, votre homme là, d'amis, vous voyez. Parce que pour les noyaux, si on voit normalement, elle peut être des noyaux stables. En tant que conseil, en général, des isotopes. D'accord. Mais lequel on conseille plusieurs valeurs isotopes. Il y a celle, un peu le vide de grand âge, des autres très grands, un mot très grand. D'accord. Le deuxième, celle qui sont capables de mesurer des âges plus poussés. Celle, la même part qui sont, la même part qui sont capables, de mesurer des âges plus poussés. Mais je dis encore, je répète la phrase, je ne veux pas plus en l'âge, l'âge qu'on appelle, ou bien l'âge géologique, au minimum 1000 ans.
au minimum, 1000 euros. D'accord. Donc, c'est comme la méthode, et ça, c'est alors. On a vu là une méthode bien connue déjà, bien on va connaître, c'est la méthode de dosage de carbone. La méthode de carbone-carbone, d'accord, de carbone. La troisième méthode. Comme la méthode de dosage de carbone, comme la méthode. La méthode de dosage de carbone-carbone. De dosage de carbone 14. Alors, on parle de carbone 14. On dit de dosage de carbone 14. Carbone 14, bien sûr, est un noyau instable. D'accord, un noyau instable, d'accord. Et le mètre de rayonnement est pas moins. Comment? Ça va être un élément. Alors, c'est un grave élément qui émet des particules répandues. Je commence par la première méthode des empages. Après, je passe à différentes méthodes des PCH. Voilà, première méthode. Comment devenir là dans le milieu très ancien. Méthode des empages, première méthode. Je commence par la première partie. Méthode des grands âges. C'est clair? Moi, je fais pas de faire ces manuscrits, vous pouvez faire ici un manuscrit. C'est la même chose, d'accord? C'est un bon, c'est un comme ça, un manuscrit. Moi, je ne crois pas de faire un manuscrit. C'est la même chose. Ah oui, à moi, c'est la même chose, d'accord? Yeah. On se pose premièrement que les noyaux stables et instables, parce que dans une roche, une minerale par exemple, on trouve des noyaux stables et des noyaux instables. À savoir être conscient en général des isotopes. D'accord ? On trouve des noyaux stables instables, des noyaux stables. Et instable est informé à ce qui existe. Est informé. Instable est informé dans des processus différents. À savoir, ce sont des points très importants et dans des processus différents. Il y a environ, elle s'est formée depuis ce qu'on appelle la création de l'univers. Il y a environ 10 billions d'années. 10 billions d'années. C'est quoi 1 billion? C'est quoi 1 billion? C'est 1000 milliards. 10 fois 1000 milliards d'années. Billion, c'est 1000 milliards. D'accord, ça va se former, ça fait un ancien. Au moment d'un cataclysme possible, au moment d'un cataclysme possible, ça va au moment quoi? Au moment de dire de Big Bang, à vous de Big Bang. Ça se rappelle. Certains appellent l'âge de la création de l'univers. Quand certains appellent la création de l'univers. Quand la vie revient, on est le jeu de construire un nouveau projet. Quand la vie revient, d'accord. Certains appellent la création, c'est la création de l'univers. Je vais à cette
Le noyau, c'est pas vrai. Le noyau instable. D'accord. Et en 2008 aussi, il y a un vrai. Les unités, mais de période. Ce sont deux plus longs, parce que là, je donne le verre, parce que c'est pas trop, c'est le moment. Quelque chose, c'est la question de 15. Ça va être bien. Mais là, les noyaux, par exemple, 2000 inférieurs, très peu de choses, les choses sont déjà descendues de plus loin. D'accord ? Ce sont des gens de principal. Ce sont transformés. D'accord ? C'est ça. Le plus grand temps de s'intégrer au noyau stable. Au noyau stable. C'est ça qui est très important. Encore le noyau instable. Ce sont déjà transformés au noyau stable, ça fait longtemps. Mais d'un coup, ce noyau avant qu'il n'arrive, il est venu deux fois à 19 ans. Maintenant, supposons qu'il existe normalement 21 noyaux instables. Supposons. Allez, puis. Il existe 21. Donc, un noyau instable. 21. Il existe 21 noyaux instables. Que au niveau comparable, il est 1, 8, 1, 2, 8, comparable à l'âge de l'univers. À savoir, nous ne sommes pas encore transformés. D'accord ? Parce que c'est donc un niveau comparable à l'âge de l'univers. Un niveau comparable. D'accord. Alors les noyaux de l'unité interne des entreprises sont posés déjà des intérêts. Mais ici, il y a quelqu'un, il y a des autres choses. Des intérêts, il n'y a pas d'autres. D'accord. Donc en général, il existe 21 noyaux instables qui ne sont pas à l'âge de l'univers. Et par contre, on retrouve aujourd'hui, par conséquent, on retrouve qui ça. On retrouve aujourd'hui dans la nation, aujourd'hui, dans la nation, à savoir chez ça en général, le plan, plan 390. Il y a... Non, c'est pas le plan.
Plutonium, plutonium. Plutonium. C'est pas le plus, plutonium. D'accord, le plomb, maintenant, 215. D'accord, le plutonium. Le thorium, 235. C'est l'oranium de son, c'est pas ça. Le thorium, l'oranium de 235, etc. Le thorium combien? Quel numéro? Tableau. Bon, pour rien, on a quelque chose. Bon, maintenant, on va dire maintenant la méthode. Nous allons parler des éléments que ça se passe, que ça entrave, d'accord? Parce que dans le cas du contexte, on en voit, ce n'est pas ouvert, voilà, d'accord? Dans un système de données, quels sont? On a un problème. Hein? Système d'ordre. Le système, c'est quoi sur quoi? Par exemple, Roche-Mignon. Par exemple, une Roche-Mignon. Par exemple, Roche-Mignon. Mais des Roches, ou bien des Roches-Mignon. Etc. D'accord? Par exemple, des Roches-Mignon, des systèmes de données. Une roche minérale, on vous demande la question de déterminer l'âge de la roche. D'accord, c'est ça. Pour moi, c'est ça le système. D'accord. Comme un exemple. On parle de nombre noyau pair. À savoir, en chair, on parle de nombre de noyau pair qui existe dans la roche. D'accord. Ou bien dans l'échantillon en général. D'accord. On parle de nombre de noyaux pairs et nombre de noyaux pairs à savoir qu'il faut chercher et on cherche tout le nombre de noyaux pairs et nombre de noyaux pairs, d'accord? Et qu'on est sur par d'autres connaissances. Et si on change de noyau pair, de noyau pair à un instant T, d'accord? D'accord. Mais connaissons leur nombre aussi, voilà, initial, c'est très important, connaissons leur nombre initial. C'est leur nombre. Leur nombre initial. À savoir qu'on point de départ, ça va être égal à 0. D'accord? Donc ce sont les deux hypothèses très importantes, comme on cherche l'âge et qu'on connaît certains paramètres. Les paramètres sont ici pour faire l'idéal d'un échantillon très ancien et pour connaître le nombre de noyaux pairs, le nombre de noyaux pairs à l'instant T et le nombre initial. D'accord? Donc ces paramètres sont plus importants pour dire l'âge dans l'objet. Quel point? On peut terminer l'âge, on peut terminer l'âge. On peut, dans ce cas, déterminer l'âge de l'échantillon, ou le système de l'échantillon. C'est ça. C'est-à-dire, le premier, par le noyau pair, c'est le temps bon. C'est quoi l'âge? Exactement, c'est égal. C'est le temps, c'est pas le système, c'est le temps mis. Par le noyau pair, c'est quoi là? Par le temps mis par le noyau pair, pour choisir certains degrés au noyau fixe. Il faut chercher le temps. C'est le temps qui part, c'est
C'est ça l'âge, c'est pas la définition. La définition de l'âge, c'est le temps mis par le nom du Père pour se désintégrer au noyau du Fils. D'accord ? Selon la réaction, bien sûr, selon la réaction, on se pose la réaction pour élément sereine. La réaction naturelle, Père, dans le Fils, plus la partie du Fils. Ça veut dire soit de l'hélium, soit des électrons, soit gamma, d'accord ? Alpha, bêta, d'accord, et gamma. On se pose la réaction du lanceur, à savoir la méthode que nous avons appliquée, la méthode d'âge s'applique à des réactions nucléaires de lanceur, ce n'est pas accessible, d'accord. Donc on va chercher le temps, mille fois le temps, pour se comprendre au fils. À savoir, on va se donner encore l'âge. Et ça, c'est ça, c'est le problème. Bon, et si on connaît, on va se dire aussi pour cette réaction subie de droite de croissance, radioactive. C'est quoi N est égal à N0 plus moins N2. C'est quoi N? C'est le nombre de paires non désintégrées. À l'instant T, N0, c'est le nombre de paires non désintégrées. À l'instant T égale à 0. Le nombre initial. D'accord. Bon. On rappelle, et ça, c'est pas difficile. Bon, avant de présenter la loi, il faut noter très bien de plus. C'est très important, détermination d'âge, détermination. L'âge, d'accord. L'adolescence. L'adolescence, aussi au cours de temps. On dit que le système est ferme. À savoir, il n'y a pas de faire de la matière. À savoir, la matière n'est pas corrigée. Il peut échanger de l'énergie. À savoir, le rayonnement, d'accord, de l'espace. Mais la matière reste à sa place. De notre besoin. On dit que le système est fermé. On dit, c'est ça. Donc, l'hypothèse que voilà, soit à un sujet défini, il faut que ce soit dans un système fermé. À savoir, la matière reste à sa place. Il n'y a ni gain ni perte de la matière. D'accord ? On dit que le système est fermé. C'est ça qui est important. On travaille toujours de l'extérieur. On se pose que le système est fermé pour déterminer l'âge. D'accord ? On se pose que cette hypothèse soit suspecte. Parce que je dis, n'a pas de sens. Pour ce que le système est fermé. D'accord, ça veut dire qu'il est né dans le cas de la matière. Et maintenant, je commence par faire de la méthode. Donc voilà, je vais compléter cette méthode. La loi se doit le faire au cours de temps. La loi de croissance doit le faire au cours de temps. Et, bien sûr, on va dire, on note N, d'accord, de temps, à dire la
est normalement zéro, on peut pas être interrogable. Notation et dénotation. Or, un de pair, notre FP. Et si notre FP, ça veut dire quoi P de 0? Ça veut dire quoi P de 0? À l'instant initial. D'accord, on va un P de 0. Et P1 de 0 est égal à un de pair, donc notre égal à 0. D'accord, notation. Un de pair. Alors, avec pas de c'est quoi un de P? C'est le nombre de noyaux pairs non distingués à l'instant. D'accord? N de P, c'est le nombre de noyaux pairs non distingués. D'accord? C'est pas que de mettre à chaque fois N de P, je mets N de P tout simplement. N de P, après. Quand c'est N de P, tout simplement. N de P. Donc, ça y est, d'accord, N de P. Quand vous voyez pour moi, c'est un truc à l'instant. Encore, je répète, N de P de 0, P1 de 0, le nombre de noyaux par un autre centre degré à l'instant initial. Au temps initial. On se pose un temps, et ça, c'est égal à 0. On ne peut pas qu'on mette un temps égal à 0, ça veut dire longtemps, va l'initial. Ce n'est pas 0 exactement. D'accord? À un temps qui est, voilà, l'initial.